Initialement institué comme pivot du cycle hebdomadaire, le septième jour a représenté pendant des milliers d'années le sceau de la puissance et de l'autorité du Créateur. Pendant la vie de Jésus-Christ, les contentieux et les débats ont fait rage sur la question de l'observation appropriée du sabbat. Au cours du troisième volet du septième jour, Hal Holbrook et nos experts venus des quatre coins du monde nous ont raconté l'histoire de la lutte pour remplacer le sabbat de la Bible par le dimanche comme jour d'adoration. Cette histoire s'enracine dans le développement de l'Europe médiévale et continue de former les coutumes de la plupart des chrétiens de nos jours. Et maintenant, voici le quatrième volet du septième jour, révélation des pages perdues de l'histoire. Je suis Ivan, Ivan Kouritin. Je prie aujourd'hui d'avoir le courage de mourir d'une mort noble. Je vais mourir pour ma foi, pour la vérité que j'ai aimée. Je vais mourir pour ces choses que j'ai crues et que j'ai enseignées en accord avec les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vais mourir aujourd'hui parce que j'ai observé le samedi comme saint sabbat de Dieu. Comment en suis-je arrivé là, à cette mort brutale? J'avais de grands espoirs. Ma vision était de voir toute l'Église russe se réformer, en retrouvant la pure vérité de l'Évangile. Mais maintenant, c'est fini. Ivan le tsar. Il fallait qu'il soit là. Il était notre ami à une certaine époque. Je me demande quels sont les sentiments qu'il habite en ce moment. Regardez là-bas. Elena et Dmitri, des subotniks, des observateurs du sabbat comme moi, la propre belle-fille du tsar et son petit-fils. Que va-t-il leur arriver? Vont-ils être brûlés, eux aussi? Ah, Sophie. Elle doit être heureuse aujourd'hui. Elle est contre nous depuis le début. Egnadi, l'archevêque de Novgorod. Lui, il n'a vécu que pour ce jour, pour ce bûcher. Il dit que nous nous sommes détournés du Christ, que nous sommes devenus comme les Juifs.
mais je suis chrétien et je meurs aujourd'hui pour l'amour du Christ et de sa parole. Il y a 500 ans, ces horribles bûchers de Moscou écrasaient la réforme russe du XVe siècle. Une réforme caractérisée par son insistance sur l'observation du samedi, le septième jour, en tant que sabbat. Bonjour, je suis Hal Holbrook. Bienvenue à ce quatrième volet du septième jour, révélation des pages perdues de l'histoire. L'homme enfermé dans la cage, Ivan Kuritsin, était un éminent théologien russe et un dirigeant du soulèvement religieux que les historiens appellent le mouvement de Novgorod-Moscou. Le tsar Ivan le Grand découvrit ce mouvement déjà bien établi à Novgorod lorsqu'il prit le contrôle de la ville vers 1480. Ivan constata que deux prêtres orthodoxes russes étaient au cœur du mouvement de Novgorod et les invita à Moscou. Le docteur Oleg Gigankov nous explique. La raison pour laquelle Ivan amena les deux prêtres les plus éminents de Novgorod à Moscou fut qu'il était lui-même, d'une certaine manière, ouvert aux opinions des réformateurs. Et Ivan assigna les deux prêtres aux deux plus importantes cathédrales de Russie à Moscou, la cathédrale Arkhangelsky et la cathédrale arménienne. Ces deux cathédrales sont toujours les plus importantes de Russie. Et le tsar n'était pas le seul à être en faveur de la réforme. Le mouvement Novgorod-Moscou touchait les plus hautes instances du gouvernement et comprenait des gens de l'entourage immédiat du tsar. Toute cette histoire ressemble à un grand roman gothique. D'un côté, vous avez Elena Stefanovna, la veuve, belle-fille du tsar, et elle est une subotnik, c'est-à-dire une observatrice du sabbat. De l'autre côté, il y a l'épouse du tsar, en fait sa deuxième épouse, Sophie, une princesse grecque de naissance. Sophie grandit en Italie sous l'influence des dirigeants catholiques romains, qui espéraient que son mariage avec le tsar rapprocherait les Russes de l'Église de Rome. Mais Sophie embrassa finalement la religion orthodoxe russe. Le tsar se retrouve ainsi coincé entre ces deux femmes qui avaient toutes deux une grande influence sur lui et à la cour. Et leurs idées sont radicalement opposées sur le plan religieux. Mais la situation se complique davantage. Le fils d'Elena, Dimitri, le petit-fils d'Ivan, est destiné à être le prochain tsar. Et Dimitri, tout comme sa mère, appuie les réformateurs qui observent le sabbat. Maintenant, Sophie, la deuxième épouse du tsar, lui donne un fils prénommé Vassili. Or, elle veut que son fils succède à Ivan en tant que tsar. Elle ne recule devant aucun moyen pour arriver à ses fins. Sophie a un puissant allié en la personne de Gennady, l'archevêque orthodoxe russe de Novgorod. Gennady est un fanatique, l'ennemi juré des réformateurs qui observent le sabbat. Il prône des mesures extrêmes. Écoutez ce qui suit. Dans certaines de ses lettres adressées au tsar, Gennady déclare vénérer les méthodes de l'Inquisition espagnole et insiste pour que l'Église orthodoxe russe et l'État russe appliquent ces méthodes contre le mouvement subotnik. Les dirigeants de l'Église orthodoxe russe se réunirent au Concile de Moscou et condamnèrent les réformateurs pour hérésie. La sentence du Concile énumère les chefs d'accusation. Certains d'entre vous ont blasphémé contre beaucoup de saintes icônes. Certains d'entre vous les ont découpées et brûlées. Et vous avez tous honoré le sabbat plus que le jour de la résurrection du Christ. Bien entendu, le jour de la résurrection est le dimanche, le premier jour de la semaine. Le concile accusa ces réformateurs d'honorer le septième jour, le sabbat, plus que le premier jour, le dimanche. Et c'est bien ce qui unissait leur mouvement.
Le concile de Moscou marqua le début de la fin pour le mouvement Novgorod-Moscou. Le mouvement se consuma finalement dans les flammes de la place rouge. Elena Stefanovna et son fils tombèrent en disgrâce. Leur sort est incertain. Le tsar Ivan III mourut et son fils Vassili prit sa place, exactement ce que sa mère voulait. Au début du XVIe siècle, le royaume musulman d'Adal attaqua l'empire chrétien d'Éthiopie. Il s'agissait d'un djihad, une guerre sainte musulmane soutenue par les puissants turcs ottomans. Ils conquirent une vaste section du pays en écrasant les forces éthiopiennes. En désespoir de cause, l'empereur demanda l'aide du Portugal. Plusieurs années longues et difficiles s'écoulèrent. Finalement, en 1541, les troupes portugaises arrivèrent sur la côte de l'actuelle Érythrée. Cristóvão de Gama, fils du célèbre navigateur Vasco de Gama, commandait une troupe de 400 mousquetaires. Leur mission, venir en aide à l'Éthiopie chrétienne. Ce fut un effort coûteux. Un grand nombre de Portugais furent tués. De Gama lui-même fut capturé et décapité par le commandant musulman. Heureusement, avec l'aide des forces portugaises restantes, l'empereur Gelawdewos réussit à repousser l'envahisseur en 1543, ce qui mit fin à la menace musulmane. Mais quelques années plus tard, un nouveau défi apparut pour les chrétiens d'Éthiopie lorsque les missionnaires jésuites suivirent les traces des troupes portugaises. Souffrant la privation, la captivité, la torture et la mort, ces jésuites se consacrèrent à ramener l'Église éthiopienne dans le giron catholique romain. Or, il y avait des différences majeures entre les églises orthodoxes éthiopiennes et catholiques romaines. L'observation du sabbat par les Éthiopiens n'était pas la moindre, car cette pratique datait d'au moins 1000 ans. Malgré cela, les jésuites persistèrent. Finalement, l'empereur Susenios adopta l'Église catholique romaine et professa son allégeance au pape. En 1622, il proclama le catholicisme romain religion officielle de son empire. Afonso Mendes, un prêtre jésuite, arriva en Afrique en tant que nouveau patriarche de l'Église éthiopienne. Il était impatient de mettre un terme aux traditions de l'Église éthiopienne, en particulier l'observation du sabbat. Sous les pressions de Mendes, l'empereur Susenios émit une proclamation ordonnant à son peuple de travailler pendant le sabbat, une profanation du jour sacré. Ce fut une grave erreur. Le clergé, tout comme le peuple, s'est révolté contre lui. Ils n'acceptaient pas sa proclamation. Il n'y avait que la noblesse, les rois et leurs sujets dans le palais qui embrassaient la foi romaine. Une violente vague de protestations secoua le pays entier. Le peuple se rebella. Les gens refusaient d'abandonner leur religion traditionnelle. Susenios vit ses bonnes intentions déclencher une violente guerre civile. Il y eut des milliers de morts. Mais au milieu de ce chaos et de ce carnage, la voix de la raison se fit entendre. Un de ses fils, Facilidas, parla à son père, Susenios, et lui dit, « Regarde tous ces gens que tu as tués. Combien vas-tu en tuer encore? Ces gens ne sont pas des païens. Ils ne sont pas musulmans. Ils sont des nôtres et certains sont de ta parenté. » Et il réussit à persuader son père que ce qu'il faisait était mal. Susenios émit un autre édit et déclara, « Lorsque j'ai accepté la foi romaine, je croyais que c'était bon pour le peuple. Mais maintenant, même le paysan ignorant choisit de mourir pour préserver sa tradition, plutôt que d'accepter la foi nouvelle. Par conséquent, dit-il, je vais céder le trône à mon fils
Facilidas. Dorénavant, vous êtes libre de pratiquer votre culte comme vous le voulez. Dans votre église, dans votre communauté, vous êtes libre. Même de nos jours, l'observation du sabbat de la Bible parallèlement à celle du dimanche est chose commune en Éthiopie, la nation qui a la plus longue histoire d'observation chrétienne du sabbat. Imaginez ce qui suit. Un matin, vous êtes réveillé par le vacarme des policiers qui frappent violemment à votre porte. Ils vous mettent les menottes, vous forcent à vous asseoir sur la banquette arrière d'une voiture de police et vous emmènent en prison sans vous donner d'explication. Ils confisquent tous vos biens, saisissent tout ce que vous avez amassé durant votre vie. Vous croupissez pendant plusieurs mois seul dans une cellule en vous demandant pourquoi vous êtes là. De temps à autre, les geôliers vous emmènent pour être interrogés par des policiers, mais c'est un étrange interrogatoire. Ils veulent que vous leur révéliez pour quel motif vous avez été arrêté. Ils prétendent qu'il y a 7 ou 8 témoins contre vous, mais ils ne vous disent pas leur nom. Ils veulent aussi que vous deviniez de qui il s'agit. Parfois, ils vous torturent. Vous vous demandez qui sont vos accusateurs, quel crime vous avez bien pu commettre. Et puis, vous commencez à donner des noms, en espérant que ce sont les bons. Parfois, ils promettent de vous relâcher, mais seulement si vous coopérez. Vous en venez donc à inventer des choses, à confesser des choses que vous n'avez jamais faites en espérant leur donner satisfaction. Au bout d'environ 1 an, ils vous amènent au tribunal avec plusieurs autres prisonniers. Un juge fait la lecture des sentences. Certains prisonniers s'en tirent facilement, d'autres écopent de la prison à vie, d'autres de la peine de mort. Quelle sera votre sentence? Peut-être ce scénario vous donne-t-il un aperçu de ce que signifiait vivre sous l'infâme fléau de l'Inquisition, un système diabolique destiné à identifier et à éliminer les dissidents religieux. L'Inquisition en Europe, au Moyen Âge, avait sa propre logique, sa propre justification. La première justification était que cette vie est beaucoup moins importante que celle qui est à venir, et par conséquent, si la vie terrestre d'une personne lui est enlevée pour l'amour de son âme immortelle, vous faites une faveur à cette personne. Cependant, on doit également souligner que l'autre raison de l'Inquisition n'était pas tant de condamner les gens à mourir, habituellement par le bûcher, mais plutôt de ramener la personne au sein de la Sainte Mère l'Église. Le pape Grégoire IX créa l'Inquisition en 1231 pour protéger le monde catholique des hérétiques et des rebelles religieux. L'Inquisition était une institution hautement organisée qui combinait le pouvoir de l'Église et de l'État. Ce fut une arme dévastatrice. On peut dire que ça a vraiment fonctionné. En 1469, le mariage de Ferdinand et d'Isabelle réunit les royaumes d'Aragon et de Castille en un royaume uni d'Espagne. Notons qu'il s'agit des mêmes Ferdinand et Isabelle qui envoyèrent Christophe Colomb en voyage d'exploration en 1492. Le nouveau roi et la nouvelle reine étaient des catholiques militants. En fait, on les appelle les monarques catholiques. Mais ils devaient reconnaître que leur Espagne n'était pas aussi catholique qu'ils l'auraient voulu. Voyez-vous, une génération ou deux plus tôt, les Juifs d'Espagne avaient été forcés de se convertir au catholicisme sous peine de déportation et de dépossession. On donna à ces convertis forcés le nom de nouveaux chrétiens, un nom qui leur est resté. Ils furent baptisés en tant que catholiques romains, mais certains d'entre eux, probablement beaucoup, conservèrent certaines coutumes traditionnellement juives, comme l'observation du 7e jour, le samedi, en tant que sabbat. La reine Isabelle considérait cela comme une profanation grave de la véritable religion catholique. Ainsi, en 1478, elle persuada le pape d'autoriser l'Inquisition espagnole. Elle voulait purger son Église de toute trace d'hérésie juive.
L'Inquisition en Espagne et au Portugal consacra beaucoup d'énergie et d'application à repérer et à éliminer les personnes qui se prétendaient catholiques romaines, mais qui continuaient de s'accrocher à leur judaïsme. Certains de ces nouveaux chrétiens suivaient la coutume juive consistant à allumer une chandelle le vendredi soir, avant le coucher du soleil, au moment où commence le sabbat selon l'Ancien Testament. Aux yeux des inquisiteurs, allumer ces chandelles du sabbat constituait une preuve d'hérésie. Le pouvoir de l'Inquisition était subtil et insidieux. Les inquisiteurs incitaient les gens à espionner leurs amis, leurs voisins et même les membres de leur propre famille. Ils avaient recours aux menaces et à la torture pour forcer les gens à fournir des preuves dont ils avaient besoin. Les hérétiques irréductibles et les récidivistes subissaient des mesures extrêmes. Ils étaient livrés aux autorités séculières pour subir leur peine. Certains étaient brûlés en effigie, d'autres étaient livrés au bûcher en personne. L'Inquisition espagnole déploya largement son filet et ramena d'autres personnes avec les Juifs convertis. L'Église catholique romaine s'en prit également aux anciens musulmans. Les inquisiteurs les soupçonnaient de pratiquer secrètement l'islam. Et bien entendu, l'Espagne devait être protégée de la tempête des controverses religieuses qui secouaient le reste de l'Europe. Ça aussi, c'était l'affaire de l'Inquisition. Je suis Constantino. Oh mon Dieu, m'entends-tu? N'y a-t-il pas des païens cruels? N'y a-t-il pas des cannibales assoiffés de sang, pires que des bêtes enragées, auxquels tu pourrais me livrer? Mais que j'échappe aux barbares inhumains qui me gardent dans ce trou? Pourquoi suis-je ici? À cause de la vérité? À cause du sabbat? J'ai aimé ta parole. Je l'ai enseignée fidèlement. Vais-je mourir ici? Dans ces trous? Le docteur Constantino Pons de la Fuente était un prédicateur immensément populaire et un écrivain doué. Il voyageait à travers presque toute l'Europe à titre d'aumônier de la cour impériale. Ses collègues avaient une si haute estime de lui qu'il fut élu grand chanoine de la cathédrale de Séville, une immense construction gothique qui, même de nos jours, compte parmi les plus grandes églises du monde. Lorsque Constantino prêchait, des foules importantes remplissaient la place pour écouter ses sermons. Mais le docteur Constantino était un réformateur, un rôle particulièrement dangereux à Séville, au cœur même de l'Inquisition. C'est là que Constantino et quelques-uns de ses amis adoptèrent des idées contraires aux vues catholiques. Tout en assumant la plus haute fonction à la grande cathédrale, il fonda avec ses amis ce qu'il appela l'Église chrétienne secrète. Constantino croyait que les chrétiens devaient obéir aux 10 commandements et que cette obéissance était possible grâce à l'œuvre de Dieu dans la vie du chrétien. Selon lui, obéir aux 10 commandements comprenait l'observation du sabbat le samedi, le septième jour. Par sa compréhension de la nature humaine et réalisant à quel point il est facile à l'homme d'oublier, Dieu désigna un jour particulier à lui consacrer comme une dîme. Un jour durant lequel, dégagé de toutes ses obligations, l'homme devait exprimer intérieurement et extérieurement sa reconnaissance au Seigneur qu'il a créé. Après avoir entendu ces sermons, les membres de la Société de Jésus nouvellement constituée, les Jésuites, commencèrent à avoir des soupçons à propos de Constantino. Le bureau de l'Inquisition lui demanda à plusieurs reprises d'expliquer ses enseignements. Ses amis étaient inquiets. Il leur dit : « Ils veulent me brûler, mais ils se sont aperçus que je suis encore trop vert. » Les officiers de l'Inquisition l'arrêtèrent finalement en août 1558 et l'enfermèrent dans la prison des inquisiteurs, non loin de Séville. Isolé de ses amis, de ses disciples, et des foules qui remplissaient jadis la cathédrale, Constantino Pons de la Fuente passa ses derniers jours dans des conditions effroyables. Il n'y avait plus de foule pour entendre ses dernières paroles lorsqu'il mourut en février 1560, une autre victime de l'Inquisition espagnole.
Voisin de l'Espagne, le Portugal devait également trouver une solution au problème des soi-disant nouveaux chrétiens. L'Inquisition débuta dans ce pays en 1536 et se termina tard au 19e siècle, ce qui représente 300 ans de tyrannie et d'oppression marqués par une cruauté et une violence inqualifiables. Les documents qui ont été conservés jusqu'à notre époque font état de nombreuses victimes, rapports méticuleux qui décrivent froidement ces tragédies humaines avec une grande précision. L'un des chapitres les plus sombres de l'Inquisition fut rédigé loin du Portugal, très loin à l'est, en Inde. Vous vous demandez probablement comment l'Inquisition a pu se rendre jusque-là. Permettez-moi de vous le raconter. À la fin du XVe siècle, Vasco de Gama avait navigué jusqu'en Inde en passant sous la pointe sud de l'Afrique, ouvrant ainsi la route maritime qui allait des côtes atlantiques de l'Europe jusqu'à l'Orient. Le gouvernement portugais ne tarda pas à revendiquer des portions stratégiques de l'Inde. C'était un nouveau monde plein de promesses. Finalement, beaucoup de nouveaux chrétiens émigrèrent là-bas, espérant y trouver une vie nouvelle, hors de portée des inquisiteurs. Les convertis, qu'on appelle plus exactement les nouveaux chrétiens en portugais, commencèrent à quitter le Portugal pour aller en Inde au XVIe siècle, pendant les années 1530-1540, surtout pour des motifs religieux. En 1542, François-Xavier, l'un des premiers missionnaires jésuites, arriva à Goa, sur la côte ouest de l'Inde. Son but, évangéliser les peuples de l'Est. Il perçut très vite certains problèmes au sein de la population catholique locale. Saint François-Xavier envoya une lettre à ses collègues prêtres, les jésuites, affirmant que l'Inquisition devait s'établir dans l'Est, parce que des personnes soi-disant catholiques étaient en réalité des juifs ou des musulmans de conviction. Xavier mourut en 1552, mais son appel à une inquisition en Orient ne s'éteignit pas avec lui. En 1560, l'inquisition portugaise débarqua en Inde pour établir son siège à Goa. Elle visait particulièrement les chrétiens qui refusaient de travailler le samedi et qui commençaient à observer le sabbat le vendredi soir, selon l'enseignement de la Bible. En effet, la plupart des accusés étaient d'origine juive. Les exceptions concernaient les orientaux, qui n'avaient pas de racines juives, mais qui, par exemple, observaient le sabbat. Il est possible que ces observateurs du sabbat, n'ayant pas de racines judaïques, constitue la preuve de l'existence d'églises chrétiennes locales qui ont observé le sabbat pendant des centaines d'années et pour qui les coutumes du sabbat remontent aux premières églises en Inde. Ces peuples indigènes n'étaient pas catholiques et ne pouvaient être appelés nouveaux chrétiens. Mais cela ne les protégeait pas du bras de l'Inquisition à Goa. Je suis Charles Delon, médecin citoyen de France. Pourquoi suis-je ici, prisonnier de l'Inquisition? Je suis faussement accusé, détenu sans raison valable. Les accusations contre moi sont la création de mes ennemis. Je ne suis pas un hérétique. Mais je n'ai plus aucun espoir de quitter un jour cet endroit. Ma seule porte de sortie est la mort. Qu'on me vienne en aide. J'ai essayé de m'enlever la vie à plusieurs reprises. Ils veulent que j'avoue. Mais avouer quoi? J'ai avoué, avoué encore. Mais ils en veulent toujours davantage. Au moins, je ne suis pas un de ces nouveaux chrétiens. C'est après eux qu'ils en ont vraiment. Mais ça ne change rien. Je suis emprisonné ici tout comme eux. Et mon sort est aussi incertain que le leur. Nous connaissons le cas de Charles Delon parce qu'après coup, il a rédigé un rapport détaillé de son expérience. Accusé d'infractions mineures, il fut détenu pendant deux longues années avant son procès.
Ses juges le bannirent de l'Inde et le condamnèrent à 5 ans de travaux forcés dans le chantier de construction navale de Lisbonne. Il eut plus de chance que la majorité. Certains de ses amis en France intervinrent en sa faveur et réussirent à obtenir du grand inquisiteur une libération anticipée. En 1677, de retour en France en toute sécurité, il commença à mettre par écrit son cauchemar en tant que victime de l'Inquisition. Dans son récit, il raconte que la plupart de ceux qui étaient livrés au bûcher pour avoir judaïsé n'étaient pas du tout juifs, mais qu'il s'agissait de chrétiens qui observaient le sabbat. Sur 100 personnes considérées comme juives et condamnées à brûler, 4 à peine professèrent leur appartenance au judaïsme au moment de leur mort. Les autres protestèrent et soutinrent jusqu'à leur dernier souffle qu'elles étaient chrétiennes et qu'il en avait été ainsi toute leur vie. En 1684, Charles Delon publia son récit sur l'Inquisition à Goa. Le livre, écrit du point de vue d'une victime, révèle comment opérait l'Inquisition portugaise. Vous pouvez vous-même lire ce livre. Le tableau n'est pas très beau. En clouant ses 95 thèses sur la porte de la cathédrale de Wittenberg, Martin Luther n'avait vraiment pas l'intention de bouleverser le monde chrétien. Il voulait simplement que s'opèrent certains changements dans l'Église catholique romaine, son Église. Mais Luther avait déclenché un incendie que personne ne pouvait plus éteindre. Nous le connaissons sous le nom de Réforme protestante. Celle-ci mit l'accent sur une confiance nouvelle dans les Saintes Écritures. Luther considérait la parole de Dieu comme le plus grand trésor que l'humanité ait jamais reçu. Luther voulait s'assurer que la Bible soit traduite dans la langue vernaculaire pour que le commun des mortels puisse lire les Écritures et en profiter. Pour Martin Luther et ses collègues, la Bible était au centre. C'était la norme de la vérité et le point de référence de toutes les doctrines. Leur devise était « Sola Scriptura ». L'Écriture seule. Pour Luther, la Bible était la seule autorité en matière de foi et de religion. Ce qui remettait en question la tradition de l'Église, on pourrait même le dire ainsi. Pour Luther, la Bible était la norme selon laquelle les traditions de l'Église devaient être évaluées. La Réforme protestante était un mouvement de protestation contre l'institution catholique romaine et contre bon nombre de ses enseignements. Elle aboutit à la prolifération de dénominations religieuses que l'on peut voir de nos jours. Il aurait pu en être autrement si l'Église catholique romaine avait convoqué un concile général pour se pencher sur les questions soulevées par les réformateurs. Mais les appels pour un concile semblent être tombés dans l'oreille d'un sourd. Le docteur John O'Malley, historien jésuite, nous raconte pourquoi. Clément VII a été pape de 1523 à 1534. Et en vérité, il appréhendait un concile parce qu'il craignait d'être destitué. Peut-être s'agissait-il d'une peur irrationnelle de sa part. Néanmoins, cela le préoccupait énormément. Le pape n'était pas le seul qui ne voulait pas d'un concile. Le roi de France s'y opposait pour des raisons strictement politiques. Et le roi d'Angleterre, lui aussi, s'y opposa. La poussée en faveur d'un concile s'accentua jusqu'à ce que finalement, en 1545, les dirigeants catholiques se rendent dans la ville de Trente, au pied des Alpes du nord de l'Italie. Pendant 18 ans, le concile de Trente débattit des questions les plus difficiles auxquelles l'Église catholique romaine ait jamais été confrontée. La première question réellement substantielle que dut aborder le Concile fut la question de l'autorité, le rôle des Écritures et le rôle de la tradition. Gaspare de Fosso, archevêque de Reggio Calabria, confirma la position traditionnelle de l'Église lorsqu'il accusa les protestants d'avoir rejeté la suprématie catholique romaine. Les hérétiques de notre époque essaient de renverser l'autorité de l'Église. Ils prétendent faire des Saintes Écritures le fondement de leur foi. Mais c'est l'Église, avant tout, qui a autorité sur les Écritures. C'est l'Église qui nous dirige vers les Écritures, qui les déclare divines et qui les explique fidèlement lorsqu'elles sont difficiles à comprendre.
Le Concile de Trente décida que l'autorité de l'Église reposait sur deux piliers, non pas sur les Écritures seules, mais sur les Écritures et sur quelque chose que le Concile appela la tradition. L'autorité qui découlait de la foi transmise par les apôtres agissait comme un pilier jumeau des Saintes Écritures, confirmant l'autorité des enseignements de l'Église catholique. Le décret de Trente sur la question de l'autorité commençait en affirmant que la foi et les pratiques de l'Église sont basées sur les enseignements et la prédication du Christ et des apôtres, et que cela nous fut transmis de deux façons, par les Écritures, à proprement parler, et par la tradition non écrite remontant à l'époque des apôtres. La compréhension catholique était que le Christ lui-même faisait reposer la structure de l'Église sur les évêques. Si les évêques faisaient face à une divergence d'opinion sur l'interprétation des Écritures, ils ne pouvaient pas simplement prendre la décision qui leur plaisait, mais ils devaient tenir compte des décisions qui avaient été prises au cours des siècles précédents par les conciles sur les questions décisives. Ainsi, la tradition devient un filtre à travers lequel les évêques lisent l'interprétation de l'Écriture. Il y avait là une position fondamentale qui sépare toujours l'Église de Rome de la majeure partie du monde protestant. En confirmant l'autorité de la tradition non écrite, les évêques du Concile validèrent de nombreux enseignements et traditions non bibliques. Dans ce décret, le Concile n'énumère aucune tradition. Mais nous savons, d'après les discussions, que les évêques avaient certaines questions en tête, comme par exemple le baptême des enfants. Où trouve-t-on cela dans la Bible? Et pourtant, il s'agit d'une pratique chrétienne bien établie. L'enseignement du credo disant que le Christ est descendu aux enfers. Pas très clair où cela se trouve dans le Nouveau Testament. Qu'en est-il de l'observation du dimanche? Ça ne semble pas être dans le Nouveau Testament non plus. Qu'en est-il du credo des apôtres lui-même? Nous savons maintenant que cela ne provient pas de l'époque des apôtres, mais c'est ce que croyaient les gens à Trente. Voilà donc un autre exemple de tradition qui embarrassait les gens de ce concile. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient souscrire à une position seulement scripturaire au sens strict. Comment donc le jour d'adoration avait-il pu être changé du samedi au dimanche? Pour les évêques présents au Concile de Trente, la réponse était claire. Le sabbat, le jour le plus glorieux de la loi, a été changé pour le jour du Seigneur. Cela n'a pas été fait selon un commandement du Christ, mais par l'autorité de l'Église. Anabaptiste. Voilà un nom qui a fait bouillir le sang tant des catholiques que des protestants du XVIe siècle. Ils tirent leur nom du fait qu'ils ne croyaient pas au baptême des bébés, et baptiser les bébés était une pratique courante chez les chrétiens de l'époque. Les anabaptistes croyaient que le baptême était réservé aux adultes qui comprenaient et acceptaient le message de l'Évangile. Dès le début du mouvement anabaptiste en 1525, les autorités, autant catholiques que protestantes, considérèrent ce mouvement comme une menace pour l'ordre civil. Ces anabaptistes refusaient à l'Église comme à l'État une quelconque autorité sur la conscience humaine. Ils enseignaient que l'homme ordinaire pouvait comprendre la Bible par lui-même, sans que l'Église ait besoin de l'interpréter pour lui. La seule véritable Église était celle décrite dans le Nouveau Testament, l'Église de Jésus et des apôtres. Ces points de vue étaient très différents de ceux de l'Église catholique et bien plus radicaux que ceux de la plupart des protestants. Les anabaptistes considéraient leur mouvement comme une tentative de restauration de la véritable Église sur le fondement des enseignements du Christ dans l'Évangile et selon le modèle de l'Église primitive décrite dans le livre des Actes. Certains historiens considèrent Andreas Bodenstein von Karlstadt comme le précurseur du mouvement anabaptiste. Il avait été un ami et un collègue de Martin Luther, mais leur amitié avait pris fin sur un désaccord théologique. Ils croyaient tous les deux que l'on devait se fier à l'Écriture, mais pour Luther, on pouvait ajouter à l'Écriture tout ce qui ne les contredisait pas, tandis que pour Karlstadt,
C'était l'écriture strictement, sans aucun ajout. Ainsi, Luther acceptait tout ce que la Bible n'interdisait pas ou ne rejetait pas spécifiquement. Karlstadt, de son côté, acceptait seulement ce que la Bible enseignait spécifiquement, rien de plus. L'étude que fit Karlstadt des Écritures le mena au sabbat biblique et à sa signification spirituelle. Voici ce qu'il disait. L'observation du sabbat a un double objectif. Par obéissance à Dieu, nous devons nous reposer dans la paix et prier Dieu pour toute sainteté et attendre de la recevoir. Ce repos s'accomplit dans la reconnaissance par l'homme que la sainteté ne provient d'aucune autre source que le Christ et que nous devons être saints comme Dieu est saint. Lorsqu'il nous parle du sabbat, il s'agit d'un genre de sabbat intérieur en opposition avec le sabbat extérieur. Il s'intéresse davantage au sabbat intérieur, ce qui signifie le repos de Dieu à l'intérieur de soi. On peut parler d'un genre de sanctification intérieure. C'est sa grande préoccupation. Et le sabbat extérieur devait être une façon de favoriser la réalisation du sabbat intérieur. Contrairement à Karlstadt, Luther et les autres réformateurs étaient généralement d'avis que le sabbat de la Bible était sans objet pour les chrétiens. Ils faisaient plutôt la promotion du dimanche, non pas en tant que sabbat, mais en tant que célébration de la résurrection du Christ. Mais Karlstadt croyait que l'observation du dimanche n'était qu'une invention humaine. Et il n'était pas le seul de cet avis. Deux prédicateurs anabaptistes, Oswald Glate et Andreas Fischer, adoptèrent une position similaire. Lorsqu'ils eurent lu leur Bible du début à la fin, ils ne virent aucun élément, aucune autorité en vertu de laquelle on puisse passer du samedi, jour du sabbat, au dimanche, comme jour de culte et d'adoration. Ce fut en Silésie, au sud-ouest de la Pologne, que Glate et Fischer commencèrent à prêcher et à enseigner au sujet du sabbat du septième jour. C'était une région fortement anabaptiste, et les deux hommes connurent un grand succès quand ils y établirent des groupes d'observateurs du sabbat. Ce qui les rendit si convaincants furent des arguments clairs et logiques, comme ceci. Les 10 commandements sont à la base de la loi morale. Par conséquent, le sabbat, le 4e commandement, fait partie de la loi morale à laquelle les chrétiens doivent obéir. Il n'y a pas 8 ou 9, mais bien 10 commandements. Nous ne pouvons affirmer que certains doivent être suivis tandis que d'autres peuvent être oubliés. Jésus lui-même observait le sabbat. Les apôtres et les pères de l'Église primitive enseignaient l'observation du sabbat du septième jour. Ce fut le pape Victor et l'empereur Constantin qui établirent dans l'Église le dimanche comme jour d'adoration. Mais Dieu lui-même a établi l'adoration le jour du sabbat. Nous devrions observer le sabbat par amour pour Dieu. Ni Glate ni Fischer ne devaient mourir de mort naturelle. Glate fut arrêté et emmené à Vienne où on l'emprisonna. Il fut torturé puis noyé dans le Danube, le sort typique d'un anabaptiste. L'histoire de Fischer est un peu différente. En 1529, Andreas Fischer et son épouse se présentèrent en Slovaquie pour prêcher parmi les mineurs de l'endroit. Pour cette raison, ils furent arrêtés, emmenés au château de Tchitva. L'arrestation eut lieu en mai. Ils furent enfermés dans le donjon jusqu'en août, moment où on leur fit une sorte de procès. Ils furent tous deux condamnés à mort, l'épouse par noyade et Andreas Fischer par pendaison. Son épouse fut bien emmenée et noyée. Mais l'exécution d'Andreas Fischer fut une toute autre histoire. Oh, ils l'ont bel et bien pendu à la tour du château. Il semble qu'il se soit balancé au bout de cette corde pendant plusieurs heures, mais qu'il n'en soit pas mort. Peut-être la corde s'est-elle rompue, peut-être des amis l'ont-ils libéré. L'histoire n'est pas claire sur ce qui s'est passé. Ce qui est clair, c'est qu'Andreas Fischer a survécu. Après sa mystérieuse, voire miraculeuse délivrance, il a continué de travailler pendant 10 autres années comme prédicateur itinérant.
Il apparaît en Moravie, il apparaît en Bohême, il apparaît en Slovaquie, et il semble qu'il ait fait le même circuit pendant les 10 années qui ont suivi. En 1540, Andreas Fischer fut capturé et mené de force au château de Krasna Horka, dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Slovaquie. Cette fois, il n'y eut pas de procès, pas d'échappatoire, pas de miracle. Il semble qu'au 15e, 16e et 17e siècle, des gens aient observé le sabbat de la Bible dans des régions très variées. Nous avons déjà mentionné la Russie, l'Éthiopie, l'Espagne et l'Inde. Mais pour trouver les exemples les plus remarquables, nous devons nous tourner vers l'Angleterre. Dans ce pays, le roi Henri VIII a destitué l'Église catholique romaine de l'ensemble des fonctions ecclésiastiques. Il s'est approprié les cathédrales, les monastères et les couvents. Il s'est également approprié les membres de la hiérarchie de l'Église, prêtres et évêques de tous les niveaux. Il a tout réquisitionné pour former sa propre version d'une Église nationale protestante, l'Église d'Angleterre. Huit personnes furent tuées et plusieurs autres blessées lorsqu'une tribune sportive s'effondra à Paris Garden dans la banlieue londonienne en janvier 1583. C'était un dimanche après-midi et une foule importante s'était rassemblée pour voir un combat d'ours. Les combats d'ours étaient des spectacles cruels, hideux et inhumains, où les gens encourageaient des meutes de chiens enragés à attaquer des ours enchaînés. C'était une forme de divertissement très en vogue au 16e siècle. La reine Élisabeth elle-même en était friande. La tragédie de Paris Garden était-elle une manifestation de la colère de Dieu contre une société profanant le Saint Sabbat? C'est ce que les pasteurs puritains pensaient. Les puritains étaient des membres de l'Église d'Angleterre désireux de débarrasser l'Église des pratiques et des croyances qui, selon eux, n'étaient pas conformes aux Écritures. La Bible en anglais est désormais accessible à de plus en plus de gens. Il est donc facile pour eux de constater qu'il y a des contradictions. Pourquoi faisons-nous ceci quand la Bible nous enseigne de faire cela? On les appelait puritains parce qu'ils voulaient purifier l'Église. L'Église d'Angleterre, l'Église anglicane, était très semblable à l'Église catholique romaine. Il y avait eu certaines réformes théologiques, mais la majorité des éléments catholiques romains, dans la forme comme dans le fond, y survivaient. Pour les puritains, il n'y avait pas encore eu suffisamment de réformes en Angleterre. Ainsi, les puritains vituperaient contre ceux qui transgressaient le sabbat, les joueurs et ceux qui fréquentaient les théâtres. Un rude combat au moment où William Shakespeare présentait ses illustres pièces sur scène. L'Église d'Angleterre et la monarchie s'opposaient au point de vue puritain sur la stricte observation du sabbat. En 1618, le roi James Ier, qui a donné son nom à une traduction anglaise de la Bible, publia le livre des sports et ordonna aux prédicateurs de le lire du haut de la chaire. Beaucoup de pasteurs puritains refusèrent. Ils étaient offusqués, car le livre incitait à la pratique des sports séculiers le jour du Seigneur. Notons un point intéressant. La plupart de ces revendications puritaines pour la réforme du sabbat ne portaient pas du tout sur le retour au samedi. Il s'agissait plutôt d'une plus stricte observation du dimanche. Toutefois, quelques-uns réclamèrent une réforme véritable du sabbat, un retour au sabbat de la Bible. On les appela les hommes du septième jour. Le mouvement pour le sabbat en Angleterre fut en grande partie le résultat direct de l'étude de l'Écriture et de la conviction grandissante de l'obligation d'observer le quatrième commandement en joignant l'observation du samedi au lieu du dimanche. Un des premiers héros parmi les hommes du septième jour était une femme, Dorothy Trask. Son mari, John Trask, était un puritain zélé, arrêté en 1617 pour avoir incité des gens à observer le sabbat du septième jour. Il rétracta son point de vue sur le sabbat afin d'éviter l'emprisonnement à vie. Mais Dorothy était d'une autre trempe. Elle alla en prison pour ses croyances et y resta jusqu'à sa mort. En 1628, un ecclésiastique anglican,
nommé Theophilus Braeburn, publia le premier livre en anglais invitant à observer le sabbat du septième jour. Son discours sur le jour du sabbat établit les fondements doctrinaux d'un mouvement qui, sous une forme ou une autre, s'est perpétué jusqu'au XXIe siècle. La question est claire. Nous n'avons qu'à consulter notre propre calendrier des jours et des semaines pour mettre un terme à la discussion. C'est le samedi, le septième jour, le sabbat de la création que nous devons sanctifier. Lorsqu'on sera en mesure de me montrer, à partir de l'Écriture, qu'il y a un autre septième jour que celui que nous appelons samedi, le dernier jour de la semaine, alors seulement on pourrait me convaincre que le quatrième commandement parle d'un autre septième jour que le samedi. Le fondement de l'argumentation de Braeburn sur le sabbat était l'autorité suprême de la Bible. Il insistait sur le fait que le samedi est bien le septième jour, le septième jour de la semaine établi par Dieu à la création, et le septième jour des dix commandements. Je ne me soucie point de ce que vous observiez le sabbat du samedi, ou le sabbat du dimanche, ou le sabbat du lundi. Mais si nous avons du respect pour Dieu et pour ses Écritures, rendons-lui le jour qu'il a choisi, et non un autre. Ce qui paraît logique. En 1660, Braeburn publia un pamphlet affirmant que la question du samedi et du dimanche représentait la plus grande controverse de l'Église d'Angleterre à cette époque. Son grand espoir était que l'ensemble de l'Église d'Angleterre passe de l'observation du dimanche à l'observation du sabbat du septième jour. En ce qui concerne le sabbat, Braeburn mettait surtout l'accent sur le texte biblique. Depuis la création jusqu'aux dix commandements, dans les enseignements et les pratiques de Jésus, pour les apôtres de l'Église du premier siècle, il n'y a eu aucun changement de jour. Il soutenait donc que l'Église devait rendre son culte d'adoration le sabbat du septième jour. La théologie de Braeburn sur le sabbat était essentiellement christocentrée. En plus de considérer le sabbat comme un mémorial de la création, il le considérait également comme un signe de la rédemption en Christ. La position officielle de l'Église était que le quatrième commandement appartenait à la loi cérémonielle qui a été abolie par la mort du Christ sur la croix. Braeburn considérait ce genre de raisonnement comme une monstrueuse absurdité et faisait remarquer que la totalité des dix commandements avait été écrite dans la pierre par la main de Dieu et qu'il n'y avait rien de cérémoniel là-dedans. La loi morale, ou décalogue, prononcée par Dieu et écrite de son propre doigt sur des tables de pierre, est toujours en vigueur. Les adversaires de Braeburn soutenaient que le Christ lui-même avait transféré le sabbat au premier jour de la semaine. Braeburn rétorquait qu'une telle affirmation était une calomnie notoire contre le Christ. Il appuya son point de vue en faisant remarquer quelque chose qui aurait dû paraître évident même pour ses adversaires. Les Écritures ne mentionnaient aucune parole du Christ à propos d'un changement du sabbat. Braeburn affirmait que l'observation du dimanche était une erreur attribuable à l'Église de Rome, enracinée dans la tradition et non dans l'Écriture. Les autres hommes du septième jour étaient d'accord avec lui, et ils ne gênaient pas pour blâmer Rome du transfert du samedi au dimanche. Ils en appelèrent au Parlement anglais pour corriger l'erreur. Au nom de Dieu, par la présente, nous vous exhortons à ramener le saint jour du sabbat au jour approprié. Ce genre de discours était dangereux. Quelques hommes du septième jour payèrent chèrement leur bravoure. En 1632, Theophilus Braeburn fut lui-même arrêté et confiné à la prison Gatehouse de Londres. La cour le condamna à une amende de 1000 livres anglaises, ce qui équivaudrait de nos jours à environ 150 000 dollars américains. Ils lui retirèrent sa licence de ministre du culte et ordonnèrent son excommunication de l'Église d'Angleterre. En plus de tout cela, il passa un an et demi derrière les barreaux. Mais les cours de justice et les prisons ne purent détourner Braeburn et ses collègues du septième jour de leur objectif.
James Oakford était un baptiste qui vivait dans la ville de Salisbury. En l'an 1650, il écrivit un livre pour la défense de l'observation du samedi intitulé « La doctrine du quatrième commandement ». L'un de ses principaux arguments, tel que l'indique la page de titre, était que le quatrième commandement avait été déformé par la papauté. 100 exemplaires du livre d'Oakford furent saisis sur ordre du maire de Salisbury et l'un des exemplaires fut expédié au Parlement. En quelques jours seulement, la Chambre des communes prohiba le livre sous le motif que ce livre était erroné, scandaleux et profanateur. La Chambre ordonna que tous les exemplaires en Angleterre et au Pays de Galles soient brûlés en public. Oakford fut lui-même excommunié et condamné à la prison. Pour ce qui est de son livre, un seul exemplaire subsiste à ce jour, à la bibliothèque de la cathédrale Christchurch d'Oxford en Angleterre. Un autre réformateur du sabbat est Francis Bamfield, descendant de Sir Francis Drake. Il est le frère d'un membre distingué du Parlement. Bien qu'il ait été l'un des plus grands prédicateurs anglais de son époque, ses points de vue anticonformistes le conduisirent en prison en 1663. C'est là, dans la prison de Dorchester, qu'il découvrit le sabbat biblique et commença à observer le septième jour. Plusieurs détenus se joignirent à lui. Après sa libération, Bamfield devint un ardent défenseur du sabbat. Il se rendit à Londres et tenta d'y organiser une union des congrégations observatrices du sabbat. 10 ans plus tard, en 1683, il fut arrêté alors qu'il s'adressait à sa congrégation de Londres. Il mourut en prison un an plus tard. Malgré les épreuves et les persécutions, le mouvement du septième jour fleurissait dans l'Angleterre du 17e siècle. De nombreuses assemblées se réunissaient pour le culte, le samedi, en différents lieux du pays. L'un des hommes du septième jour les plus en vue et les plus influents résidait à Woodham Mortimer. Médecin de 3 couples successifs de rois et de reines d'Angleterre, Peter Chamberlain fut un docteur célèbre et un observateur du sabbat de longue date. Voyez son épitaphe. Pour ce qui est de sa religion, c'était un chrétien observant les 10 commandements de Dieu et gardant la foi de Jésus. Baptisé vers l'an 1648, il observa le jour du sabbat pendant plus de 32 ans. Chamberlain était un homme énergique et ambitieux qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. En 1682, il écrivit une lettre ouverte au chancelier où il traitait le pape de « petite corne à 3 têtes qui change les temps et les lois », en référence à la prophétie saisissante du livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Peter Chamberlain et d'autres hommes du septième jour croyaient que cette prophétie prédisait l'attaque du pontife romain contre le sabbat biblique. Chamberlain et les autres avaient-ils raison? Certains critiques considèrent leur point de vue comme le fruit d'imaginations délirantes d'anticonformistes fanatiques. Quelque radical qu'ait été leur point de vue, les hommes du septième jour initièrent au 17e siècle un mouvement qui se perpétue encore. Les baptistes du septième jour, leurs descendants spirituels directs, ont transmis la doctrine du sabbat par-delà l'Atlantique jusqu'au Nouveau Monde. Nous vous raconterons leur histoire dans le 5e volet, le chapitre final de notre série sur le septième jour.